Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le droit à la santé, le droit à la santé. Ah, ça y est. Hey, écoute un peu ça. J'ai trouvé la constitution de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que, je cite, « La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. » La santé n'est donc pas réservée aux puissants et aux riches. Mais si l'on n'a pas la santé, comment peut-on profiter de tous les autres droits de l'homme, comme le droit au travail ou le droit à l'éducation? Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? La santé est un droit de l'homme. Dans ce livre, il est écrit que les gouvernements se sont engagés, je cite, à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce droit. Et de telles mesures comportent notamment la prévention des maladies. Donc des choses comme vaccination, l'air pur et l'eau propre, une bonne nutrition. Alors qui me dit à quoi vont servir tous ces aliments si on nous les mangeons, Clément? À construire des muscles et des organes. Et aussi faire en sorte que tous ceux qui en ont besoin bénéficient de traitements et de soins. Il est particulièrement important de prêter attention aux droits des personnes vulnérables ou marginalisées. Par exemple, des habitants des zones rurales. Le droit à la santé consiste donc à créer un environnement dans lequel chacun puisse réaliser son potentiel d'être en bonne santé. Désolée, me voici de retour. J'ai entendu ce que vous avez dit. C'est vrai, le droit à la santé est un droit inclusif. Il inclut l'accès aux soins de santé, ainsi que les déterminants qui contribuent à la santé. Des choses comme un logement approprié ou des conditions de travail saines. C'est vraiment important pour vos études. Et souvenez-vous, le droit à la santé est une obligation du gouvernement dans son ensemble, pas seulement du ministère de la Santé, mais également d'autres secteurs, tels que les finances, la planification, le commerce. Oui, mais il doit falloir pas mal d'autorité et de force politique pour faire avancer toutes les composantes d'un gouvernement et le faire ensemble. Et on ne peut pas compter sur les gouvernements pour faire instaurer le droit à la santé, juste comme ça. Non, mais ils sont tenus de prendre des mesures concrètes et ciblées dans ce sens. Le droit à la santé ne peut certes pas devenir une réalité du jour au lendemain. Cela prend du temps, exige des efforts. La coopération internationale est vraiment importante en matière de droits de l'homme. C'est vrai, et n'oubliez pas que les gouvernements s'engagent à garantir le droit à la santé sans discrimination de quelque sorte que ce soit. Donc cela signifie qu'aussi bien les femmes que les hommes, les riches ou les pauvres, quelle que soit la couleur de votre peau, votre langue, votre religion, vos opinions politiques, vous avez le droit de... Hé, mais il ne suffit pas de passer des lois contre la discrimination. Prends le VIH par exemple. Il ne suffit pas d'interdire la discrimination de quelqu'un en raison de sa séropositivité pour changer le comportement des gens. Regarde comment cette femme a été traitée par ses propres voisins. Those who come to me, they are those who are interested in me. But those who are not interested, they're fearing me. She's sick. Maybe she's suffering from AIDS. Maybe she's suffering from what? You know how people we are. Is what they think. They fear me. Even this cup of mine, they cannot even drink it with the water. They fear. C'est précisément pourquoi les droits à l'information et à l'éducation sont essentiels pour le droit à la santé. Si les voisins d'Elisabeth en savaient plus sur le VIH, leur peur et leur attitude discriminatoire pourraient faire place à de la bienveillance et du soutien. S'ils savaient au moins comment le VIH se transmet et comment ils peuvent s'en protéger. Promoting safe sexual behavior is still the best way to limit the spread of HIV. Education and awareness are essential to prevention and can take place anytime. Anywhere, in an office or on the street,
through posters and documents or through street plays like this one. Knowledge on its own is not enough. And to be effective, AIDS programs must also provide useful life skills. Condoms are an indispensable part of HIV prevention, whether used by men or by women. Savez-vous que les individus et les groupes ont le droit de participer aux décisions qui affectent leur développement? Oui, il est dit que cela fait partie de toute politique, programme ou stratégie pour permettre à un gouvernement de s'acquitter de ses obligations. Des systèmes internationaux, régionaux et nationaux permettent de s'assurer que les gouvernements sont responsables. Et la responsabilité est le principe clé de tous les droits de l'homme. Donc des gouvernements se sont engagés dans le monde entier à respecter, protéger et assurer le droit à la santé. La santé, c'est mon droit.